Nous voici, je pense, dans les jardins du philosophe Hermocrate. Mais... Madame! Ne va-t-on pas mauvais que nous soyons entrés si hardiment ici, nous qui n'y connaissons personne? Non, tout est ouvert. Et d'ailleurs, nous venons pour parler au maître de la maison. Restons dans cette allée en nous promenant. J'aurai le temps de te dire tout ce qu'il faut à présent que tu saches. Ah! Il y a longtemps que je n'ai respiré si à mon aise. Mais, princesse, faites-moi la grâce tout entière. Si vous voulez me donner un régal bien complet, laissez-moi le plaisir de vous interroger moi-même à ma fantaisie. Comme tu voudras. D'abord, vous quittez votre cour et la ville. Et vous venez ici, avec peu de suite, dans une de vos maisons de campagne, où vous voulez que je vous suive. Fort bien. Et comme vous savez que, par amusement, j'ai appris à peindre, à peine y sommes-nous 4 ou 5 jours, que vous enfermant un matin avec moi, vous me montrez 2 portraits, dont vous me commandez des copies en petit, et dont l'un est celui d'un homme de 45 ans, et l'autre, celui d'une femme d'environ 35. Tous deux d'assez bonne mine. C'est vrai, c'est vrai. Laissez-moi dire, quand ces copies sont finies, vous faites courir le bruit que vous êtes indisposé et qu'on ne vous voit pas. Ensuite, vous m'habillez en homme, vous en prenez la tiraille vous-même, et puis nous sortons incognito, toutes deux dans cet équipage-là. Vous, avec le nom de Fancion, moi, avec celui d'Hermidas que vous me donnez. Et après un quart d'heure de chemin, nous voilà dans les jardins du philosophe Hermocrate. Avec la philosophie de qui, je ne crois pas que vous ayez bien déterminé. Or, que veut dire cette faute à disposition? Ces portraits copiés, qu'est-ce que c'est que cet homme et cette femme qu'il représente? Que signifie la mascarade où nous sommes? Que nous importent les jardins d'Hermocrate? Que voulez-vous faire de lui? Que voulez-vous faire de moi? Où allons-nous? Que deviendrons-nous? À quoi tout cela aboutira-t-il? Je ne saurais le savoir trop tôt, car j'en meurs. Écoute-moi avec attention. C'est par quelle aventure je règne en ces lieux. J'occupe une place qu'autrefois Léonidas, frère de mon père, usurpa sur Cléomène, son souverain. Parce que ce roi, dont il commandait alors les armées, devint pendant son absence amoureux de sa maîtresse et l'enleva. Léonidas, outré de douleur, vint comme un furieux attaquer Cléomène, le prit avec la princesse son épouse et les enferma tous deux. Au bout de quelques années, Cléomène mourut dans cette prison, aussi bien que la princesse, son épouse, qui ne lui survécut que 6 mois. Et qui, en mourant, mit au monde un prince, qui disparut, et qu'on eut l'adresse de soustraire à Léonidas, qui n'en découvrit jamais la moindre trace, et qui mourut à son tour, sans enfant, regretté du peuple qu'il avait bien gouverné, et qui lui vit tranquillement succéder son frère, à qui je dois la naissance, et au rang de qui j'ai succédé moi-même. Oui, mais tout cela ne dit encore rien de notre déguisement, ni des portraits dont j'ai fait la copie. Et voilà ce que je veux savoir. Doucement. Ce prince, qui reçut la vie dans la prison de sa mère, qu'une main inconnue enleva de qui fut né, et dont Léonidas ni mon père n'ont jamais entendu parler, j'en ai des nouvelles, moi. Le ciel en soit loué! Vous l'aurez donc bientôt en votre pouvoir? Point du tout. C'est moi qui vais me mettre au sien. Vous, madame, vous n'en ferez rien, je vous jure. Je ne le souffrirai jamais. Comment donc? Laisse-moi achever. Ce prince est depuis 10 ans chez le sage Hermocrate qui l'a élevé et à qui Euphrosyne, parente de Cléomène, le confia 7 ou 8 ans après qu'il fut sorti de prison. Et tout ce que je te dis là, je le sais d'un domestique qui était il n'y a pas longtemps au service d'Hermocrate et qui est venu m'en informer en secret, dans l'espoir d'une récompense. N'importe! Il faut s'en assurer, madame! Mais ce n'est pourtant pas là le parti que j'ai pris. Un sentiment d'équité. Je ne sais quelle inspiration m'en a fait prendre un autre. J'ai d'abord voulu voir Agis.
C'est le nom du prince. J'appris qu'Hermocrate et lui se promenaient tous les jours dans la forêt qui est à côté de mon château. Sur cette instruction, j'ai quitté, comme tu sais, la ville. Je suis venue ici. J'ai vu Agis dans cette forêt à l'entrée de laquelle je vais laisser ma suite. Le domestique qui m'y attendait me montra ce prince lisant dans un endroit du bois, à ses épées. Jusque-là, j'avais bien entendu parler de l'amour, mais je n'en connaissais que le nom. Figure-toi, Corinne, un assemblage de tout ce que les grâces ont de noble et d'aimable. À peine t'imagineras-tu les charmes et de la figure et de la physionomie d'Agis. Ce que je commence à imaginer de plus clair, c'est que ces charmes-là pourraient bien avoir mis les nôtres en campagne. J'oubliais de dire que lorsque je me retirais, Hermocrate parut, car ce domestique en se cachant me dit que c'était lui. Et ce philosophe s'arrêta pour me prier de lui dire si la princesse ne se promenait pas dans la forêt. Ce qui me marqua qu'il ne me connaissait point. Je lui répondis assez déconcerté qu'on disait qu'elle y était, et je m'en retournai au château. Voilà, c'est une aventure bien singulière. Le parti que j'ai pris l'est encore davantage. Je n'ai faim d'être indisposée et de ne voir personne que pour être libre de venir ici. Je vais sous le nom du jeune Phocion qui voyage. Me présenter, Hermocrate, comme attiré par l'estime de sa sagesse. Je le prierai de me laisser passer quelque temps avec lui pour profiter de ses leçons. Je tâcherai d'entretenir Agis et de disposer son cœur à mes fins. Je suis née d'un sang qu'il doit haïr, aussi je lui cacherai mon nom. Car de quelques charmes dont on me flatte, j'ai besoin que l'amour, avant qu'il ne me connaisse, les mette à l'abri de ma haine qu'il a sans doute pour moi. Oui, mais madame, si sous votre habit d'homme, Hermocrate allait reconnaître cette dame à qui il a parlé dans la forêt, vous jugez bien qu'il ne vous gardera pas chez lui. J'ai pourvu à tout, Corinne, et s'il me reconnaît, tant pis pour lui, je lui garde un piège. Bon, j'espère que toute sa sagesse ne le défendra pas. Je serais pourtant fâchée qu'il me réduisît à la nécessité de m'en servir, mais... Le but de mon entreprise est louable. C'est l'amour et la justice qui m'inspirent. J'ai besoin de 2 ou 3 entretiens avec Agis. Tout ce que je fais est pour les avoir. Je n'en attends pas davantage, mais il me les faut. Et si je ne peux les obtenir qu'au dépens du philosophe, je n'y saurais que faire. Et cette sœur qui est avec lui, et dont apparemment l'humeur doit être austère, consentira-t-elle au séjour d'un étranger aussi jeune et d'aussi bonne mine que vous? Et pour elle aussi, si elle me fait obstacle, je ne le ferai pas plus de quartier qu'à son frère. Mais, madame, il faudra que vous les trompiez tous deux. Car j'entends ce que vous voulez dire. Cet artifice-là ne vous choque-t-il pas? Il me répugnerait sans doute, malgré l'action louable qu'il a pour motif. Mais il me vengera d'Hermocrate et de sa sœur. Qui mérite que je les punisse? Qui, depuis qu'Agis est avec eux, n'ont travaillé qu'à lui inspirer de l'aversion pour moi? Qu'à me peindre sous les traits les plus odieux et le tout sans me connaître? Sans avoir le fond de mon âme, ni tout ce que le ciel a pu y verser de vertu. Ce sont eux qui ont soulevé tous les ennemis qu'il m'a fallu combattre, et qui m'en soulèvent encore de nouveau. Voilà ce que le domestique m'a rapporté d'après l'entretien qu'il surprit. Hé ! Où vient le mal qu'ils me font ? Est-ce parce que j'occupe un trône usurpé ? Ce n'est pas moi qui en fais l'usurpatrice. D'ailleurs, à qui l'aurais-je rendu ? Je n'en connaissais pas l'héritier légitime. Il n'a jamais paru, on le croit mort. Quel tort n'ont-ils donc pas non, Corinne, je n'ai point de scrupule. Tendre amour, Dieu de Cythère, qu'as-tu le devoir sévère quand on te laisse l'espoir? Tendre amour, Dieu de Cythère, thank you.
Surtout, conserve bien la copie des deux portraits que tu as faits, qui sont d'Hermocrate et de sa sœur. À ton égard, conforme-toi à tout ce qui m'arrivera. J'aurai soin de t'instruire à mesure de tout ce qu'il faudra que tu saches. Il y aura bien de l'ouvrage à tout ceci, madame. Et votre sexe ah madame, et puis votre sexe. Et parlez donc, vos autres hommes. Vous êtes donc des femmes. Juste ciel, je suis un désespoir. Ah, mes mignonnes, avant de vous aller, il faudra bien, s'il vous plaît, que nous comptions ensemble. Je vous ai d'abord pris pour deux fripons, mais je vous fais réparation. Vous êtes deux fripons. Tu t'es perdu, Corinne. Non, madame, laissez-moi faire et ne craignez rien. Tenez, la physionomie de ce garçon-là ne m'aura point trompée. Assurément, il est très tard. Et par-dessous de le marché, un honnête homme qui n'a jamais laissé passer de contrebande. Ainsi, vous êtes une marchandise que j'arrête. Je vais faire fermer les portes. Je t'en empêcherai bien, moi. Car tu serais le premier à te repentir du tort que tu nous ferais. Promets-moi mon repentir et je vous lâche, mon ami. Voilà déjà un commencement de preuve. Ne serais-tu pas fâché d'avoir perdu cela? Oui, là, il y a toute apparence, car je suis bien aise de la voir. As-tu encore envie de s'abonner? Je n'ai encore qu'un commencement d'envie de n'en plus faire. Achevez de le déterminer, madame. Tiens, prends encore ceci. Es-tu content? Voilà l'abrégé de ma mauvaise humeur. Mais de quoi s'agit-il, mes libérales dames? D'une bagatelle. Madame, pas vu? Agisse. Dans la forêt et n'a pu le voir sans lui donner son cœur. Cela est extrêmement honnête. Oh, madame, qui est riche, qui ne dépend que d'elle et qui l'épouserait volontiers, voudrait essayer de le rendre sensible. Encore madame ne saurait le rendre sensible. Qu'en liant quelques conversations avec lui, qu'en demeurant même quelque temps dans la maison où il est. Pour avoir tous ses commodités. Et cela ne se pourrait pas s'il se présentait habillé suivant son sexe, parce qu'Hermocrate ne le permettrait pas et qu'Agis lui-même l'affurait à cause de l'éducation qu'il a reçue du philosophe. Malpeste! De l'amour dans cette maison-ci, ce serait une mauvaise ombre pour lui. Sagesse d'Agis. Hermocrate, Léontine, sont trois sagesses aussi en civil pour l'amour qu'il y en a dans le monde. Il n'y a que la mienne qui leur pose savoir-vivre. Nous savions bien. Et voilà pourquoi madame a pris le parti de se déguiser pour paraître. Ainsi, tu vois bien qu'il n'y a point de mal à tout cela. Mardi, il n'y a rien de si raisonnable. Madame a pris de l'amour en passant par Agis. Eh bien, qu'est-ce? Chacun prend ce qu'il peut, voilà bien de quoi. Pour se défendre.
service. Vous avez perdu votre cœur. Faites vos diligences pour en attraper un autre. Si on trouve le mien, je le donne. Va ! Compte sur ma parole. Tu jouiras bientôt d'un sort qui ne te laissera envier celui de personne. N'oublie pas dans le besoin que madame s'appelle Faution. Et moi, Hermida. Et surtout, qu'Agis ne sache point qui nous sommes. Ne craignez rien, Seigneur Faution. Touchez la camarade Hermida. Voilà comme je parle, moi. Paix, j'entends quelqu'un qui arrive. Ah! Avec qui ai-je donc cousu parler là, Noutamé? Je parle avec tout le monde. Par quelle jeune fois bien. Mais qui est ce monde? À qui en veut-il? Au Seigneur, Hermocrate. Eh bien! Ce n'est pas par ici qu'on entre. Notre maître m'a enchargé à ce que personne ne se promène dans le jardin. Par ainsi, vous n'avez qu'à vous en retourner par où vous êtes venu pour frapper à la porte du logis. Nous allons trouver celle du jardin ouvert et il est permis à des étrangers de se méprendre. Je ne leur voyons pas cette permission-là, nous. Je n'entendons pas qu'on vienne comme ça sans dire car. Ne tient-il qu'à enfiler des portes ouvertes? On a l'honnêteté d'appeler un jardinier. On lui demande le privilège. On n'a que de bonne manière avec un homme, et puis la permission s'enfile avec le vôtre. Doucement, notre ami. Vous parlez d'une personne riche d'importance. Oh, gourmand. Je le crois bien, car elle est riche, puisqu'elle garde tout. Et moi, je garde mon jardin. Elle n'a qu'à prendre par ailleurs. Qu'est-ce que c'est donc que ce bruit-là, jardinier? Contre qui criez-vous? Contre cette jeunesse qui vient apparemment mougueter nos espaliers. Mais j'arrivais à propos, Seigneur, pour me débarrasser de lui. J'ai le dessein de saluer le Seigneur Hermocrate et de lui parler. J'ai trouvé ce jardin si ouvert et que j'en sorte. Hé hey Dimas! Vous avez tort! Retirez-vous! Et courrez avertir Léontine qu'un étranger de considération souhaiterait parler à Hermocrate. Je vous demande pardon, Seigneur, de l'accueil rustique de cet homme-là. Hermocrate lui-même vous en fera ses excuses, et vous êtes d'une physionomie qui annonce les égards qu'on vous doit. Et pour ça, ils font tout d'une belle paire de visages. Il est vrai, Seigneur, que ce jardinier m'a traité brusquement. Mais vos politesses m'ont dédommage. Et si ma physionomie dont vous parlez vous disposait à me vouloir du bien, je la croirais en effet la plus heureuse du monde. Et ce serait à mon gré un des plus grands services qu'elle pût me rendre. Il ne mérite pas que vous l'estimiez tant. Mais tel qu'il est, elle vous l'a rendu, Seigneur. Et quoi qu'il n'y ait qu'un instant que nous nous connaissions, je vous assure qu'on ne saurait être aussi prévenu pour quelqu'un que je le suis pour vous. Nous allons que faire entre nous quatre jeunes folchons? Promenons-nous pour parler d'une autre. Mais Seigneur, puis-je vous demander pour qui mon amitié se déclare? Pour quelqu'un qui vous en jurerait volontiers une éternelle. Cela ne suffit pas. Je crains de faire un ami que je perdrai bientôt. Il ne tiendra pas à moi que nous ne nous quittions jamais, Seigneur. Que vais-vous exiger d'Hermocrate? Je lui dois mon éducation, j'ose dire qu'il m'aime. Avez-vous besoin de lui? Sa réputation m'a tiré ici. Je ne voulais, quand je suis venue, que l'engager à me souffrir quelque temps auprès de lui. Mais depuis que je vous connais, ce motif le cède à un autre encore plus pressant. C'est celui de vous voir le plus longtemps qu'il me sera possible. Et que devenez-vous après? Je n'en sais rien. Vous en déciderez. Je ne consulterai que vous. Je vous conseillerai de ne me perdre jamais plus. Sur ce qu'il y a, nous resterons toujours ensemble. Je le souhaite, de tout mon cœur. Et voici Léontine qui arrive. Maîtresse avance. Elle a monté un grave qui ne me plaît point du tout. Il est madame Vella de Damnation dont je vous parle. Et cet autre étourneau est de son équipage. Oh, on m'a dit, Seigneur, que vous demandiez à parler à Hermocrate, mon frère. Il n'est pas actuellement ici. Pouvez-vous, en attendant qu'il revienne, me confier ce que vous avez à me dire? Je n'ai à l'entretenir de rien de secret, madame. Il s'agit d'une grâce que j'ai à obtenir de lui et je compterai d'avance l'avoir obtenue si vous voulez bien me l'accorder vous-même. Expliquez-vous, Seigneur.
Je m'appelle Faucion, madame. Mon nom peut vous être connu. Mon père, que j'ai perdu il y a plusieurs années, l'a mis en quelque réputation. Oui, seigneur. Seul et ne dépendant de personne, il y a quelque temps que je voyage pour former mon cœur et mon esprit. Et pour cueillir le fruit de nos âmes. J'ai visité dans mes voyages tous ceux que leur savoir et leur vertu distinguaient des autres hommes. Il en est même qui m'ont permis de vivre quelque temps avec eux. Et j'ai espéré que l'illustre Hermocrate ne me refuserait pas pour quelques jours l'honneur qu'ils ont bien voulu faire. Il est vrai, seigneur, qu'à vous voir, vous paraissez bien digne de cette hospitalité vertueuse que vous avez reçue ailleurs. Mais il ne sera pas possible à Hermocrate de s'honorer du plaisir de vous l'offrir. D'importantes raisons qu'agissent ces biens nous en empêchent. Je voudrais pouvoir vous le dire, elles nous justifieraient donc à nous. Et d'abord, je logerai à moi dans ma chambre. Au moins les appartements qui nous manquent. Non, mais vous savez mieux qu'un autre que cela ne se peut pas. Agisse. Et que nous nous sommes fait une loi nécessaire de ne partager notre retraite avec personne. J'ai pourtant promis au seigneur Faucion de vous y engager. Et ce ne sera pas violer la loi que nous nous sommes faites que d'en accepter un ami de la vertu. Je ne saurais changer de sentiment. À quoi, madame, serez-vous inflexible à d'aussi louables attentions que les miennes? C'est malgré moi. Hermocrate vous fléchira, madame. Je suis sûre qu'il pensera comme moi. Allons aux expédients. Eh bien, madame, je n'insisterai plus. Mais oserais-je vous demander un moment d'entretien secret? Seigneur, je suis fâchée. Et de force, inutile, que vous allez faire. Puisque vous le voulez, pourtant, j'y consens. Daignez vous éloigner pour un instant. Puisse l'amour favoriser mon artifice. Puisque vous ne pouvez, madame, vous rendre à la prière que je vous ai faite, il n'est plus question de vous empresser. Mais peut-être m'accorderez-vous une autre grâce. C'est de vouloir bien me donner un conseil qui va décider de tout le repos de ma vie. Celui que je vous donnerai, seigneur, c'est d'attendre Hermocrate. Il est meilleur à consulter que moi. Non, madame, dans cette occasion, si vous me convenez encore mieux que lui. J'ai besoin d'une raison moins austère que compatissante. J'ai besoin d'un caractère de cœur qui tempère sa sévérité d'indulgence. Et vous êtes d'un sexe chez qui ce doux mélange se trouve plus sûrement que dans le nôtre. Ainsi, madame, écoutez-moi. Je vous en conjure par tout ce que vous avez de bonté. Je ne sais ce que présage un pareil discours, mais la qualité d'étranger exige des égards, ainsi parlait, je vous écoute. Il y a quelques jours, que traversant ces lieux en voyageur, je vis près d'ici une dame qui se promenait et qui ne me vit point. Il faut que je vous l'appelle, mais vous la reconnaîtrez sans doute et vous en serez mieux au fait de ce que j'ai à vous dire. Sa taille, sans être grande, est pourtant majestueuse. Je n'ai vu nulle part un air si noble. Je crois la seule physionomie du monde dont voient les grâces les plus tendres s'allier sans y rien perdre à l'air le plus imposant, le plus modeste et peut-être le plus austère. Oh, on ne saurait s'empêcher de l'aimer, mais d'un amour timide et comme effrayé du respect qu'elle a pris. Elle est jeune. Non, de cette jeunesse étourdie qui m'a toujours déplu. Qui n'a que des agréments imparfaits et qui ne s'est encore qu'amusé les yeux sans mériter d'aller au cœur. Non, elle est dans cet âge vraiment aimable qui met les grâces dans toute leur force, où l'on jouit de tout ce que l'on est, dans cet âge où l'âme, moins dissipée, ajoute à la beauté des traits un rayon de finesse qu'elle a. Je ne sais de qui vous parlez, seigneur!
Cette dame-là m'est inconnue et c'est sans doute un portrait trop flatteur. Celui que j'en garde dans mon cœur est mille fois au-dessus de ce que je vous parle là, madame. Je vous ai dit que je passais pour aller plus loin, mais cet objet m'arrêta. Et je ne le perdis point de vue tant qu'il me fut possible de le voir. Cette dame s'entretenait avec quelqu'un. Elle souriait de temps en temps. Je démêlais dans ses gestes je ne sais quoi de doux, de généreux et d'affable qui perçait à travers un maintien grave et modeste. Elle se retira bientôt après et rentra dans une maison que je remarquais. Je demandai qui elle était et j'appris qu'elle est la sœur d'un homme célèbre et respectable. Où suis-je ? Qu'elle n'est point mariée. Et qu'elle vit avec ses frères, dans une retraite, dont elle préfère l'innocent repos au tumulte du monde, toujours méprisée des âmes vertueuses et sublimes. Enfin, tout ce que j'en appris ne fut qu'un éloge, et ma raison même autant que mon cœur acheva de me donner pour jamais à elle. Seigneur, dispensez-moi d'écouter le reste. Je ne sais ce que c'est que l'amour, et je vous conseille vraiment sur ce que je n'entends point. De grâce, laissez-moi finir. Et que ce mot d'amour ne vous rebute point. Celui dont je vous parle ne souille point mon cœur et l'honore. C'est l'amour que j'ai pour la vertu qui allume celui que j'ai pour cette dame. Ce sont deux sentiments qui se confondent ensemble. Et si j'aime, si j'adore cette physionomie si aimable que je découvre, c'est que mon âme y voit partout l'image des beautés de la science. Encore une fois, Seigneur, c'est vrai que je vous quitte. Oh, attends, il y a longtemps que nous sommes ensemble. J'achève, madame. Pénétrer les mouvements dont je vous parle. Je promis avec transport de l'aimer toute ma vie. Mais c'était promettre de consacrer mes jours au service de la vertu. Je résolus ensuite de parler à son frère, d'en obtenir le bonheur de passer quelque temps chez lui sous prétexte de m'instruire. Mais là, d'envoyer mon prêneur tout ce que l'amour, le respect et l'hommage ont de plus soumis, de plus industrieux et de plus tendre pour lui prouver une passion dont je remercie les dieux comme d'un présent inestimable. Piège ! Comment t'en sortir ? Ce que j'avais résolu, je l'ai exécuté. Je me suis présenté pour parler à son frère qui était absent et je l'ai trouvé quelque que j'ai vainement conjuré d'appuyer ma demande, qu'il a rejetée et qui m'a mis au désespoir. Figurez-vous, madame, que, tremblant, t'es confondue devant elle, dont elle a sans doute aperçu la tendresse et la douleur, et qui du moins espérait de lui inspirer une pitié généreuse, tout m'est refusé, madame. Et de cet état accablant, c'est à vous à qui j'ai recours, je me jette à vos genoux, je vous confie, malade. J'adore vos conseils et votre secours auprès d'elle. Après ce que je viens d'entendre, c'est aux dieux que j'en demande moi-même. La vie des dieux est dans votre cœur. Croyez-en ce qui vous inspire. Mon cœur ? Si elle, c'est peut-être l'ennemi de mon repos que vous voulez que je consulte. Serez-vous moins tranquille pour être généreuse ? Vous aimez la vertu, dites-vous. Est-ce l'aimer que de venir la surprendre? Appelez-vous la surprendre? Que l'adorer? Mais enfin, quels sont vos desseins? Je vous ai consacré ma vie. J'aspire à l'unir à vous. Ne m'empêchez pas de le tenter. Souffrez-moi quelques jours ici seulement. C'est à présent la seule grâce qui soit l'objet de mes souhaits. Si vous me l'accordez, je suis sûre d'Hermocrate. Vous souffrez ici, vous qui m'aimez? Et qu'importe un amour qui ne fait qu'augmenter mon respect. Ah, un amour vertueux peut-il exiger ce qu'il ne veut pas? Quoi voulez-vous? Que mon cœur s'égare? Que venez-vous faire ici, monsieur? Ce qui m'arrive est-il concevable? Quelle aventure!
Vous êtes jeune, vous êtes aimable, je ne suis plus ni l'un ni l'autre. Quel étrange discours. Oui, Seigneur, je l'avoue. Un peu de beauté, dit-on, m'était déchue en partage. La nature m'avait départi quelque chose que j'ai toujours méprisé. Peut-être me les faites-vous regretter, je le dis à ma honte, mais ils ne sont plus. Oh, le peu qui m'en reste va se passer bientôt. Et de quoi sert ce que vous dites là, Léontine? Convaincrez-vous mes yeux de ce qui n'est pas? Espérez-vous me persuader avec ces grâces? Avez-vous pu jamais être plus aimable? Je suis plus que j'ai pu. Eh bien, tranchons là-dessus, ne disputons plus. Oui, j'y consens. Toute charmante que vous êtes, votre jeunesse va se passer et je suis de la mienne. Mais toutes les âmes sont du même âge. Vous savez ce que je vous demande, je vais empresser Hermocrate et je mourrai de douleur si vous ne m'êtes pas favorable. Je ne sais encore ce que je dois faire. Voici Hermocrate, viens, je vous servirai en attendant que je me détermine. Est-ce là le jeune étranger dont vous me parlez? Oui, Seigneur, c'est lui-même. C'est moi qui ai eu l'honneur de lui parler en premier. Je lui ai toujours fait vos compliments à l'attente de votre arrivée. Vous voyez, Hermocrate, le fils de l'illustre potion que son estime vous ramène ici. Il aime la sagesse et voyage pour s'instruire. Quelques-uns de vos pareils se sont fait un plaisir de le recevoir quelque temps chez eux. Il attend de vous le même accueil. Il le demande avec un empressement qui mérite qu'on s'y rende. J'ai promis de vous y engager, de le faire. Je vous laisse ensemble. Et si mon suffrage vaut quelque chose, je le joins à celui de Léontine, Seigneur. Et moi, j'ajoute ma voix par-dessus le marché. Que vois-je? Je regarde comme des bienfaits, ces instances qu'on vous fait pour moi, Seigneur. Jugez de ma reconnaissance pour vous, si elles ne sont pas inutiles. Je vous rends grâce, Seigneur, de l'honneur que vous me faites. Un disciple tel que vous ne me paraît pas avoir besoin d'un maître qui me ressemble. Cependant, pour en mieux juger, j'aurai confidemment quelques questions à vous faire. Retire-toi. Ou je me trompe, Seigneur, ou vous ne m'êtes pas inconnu. Moi, Seigneur? Ce n'est pas sans raison que j'ai voulu vous parler en secret. J'ai des soupçons dont l'éclaircissement ne demande point d'éclat, et c'est à vous à qui je vais parvenir. Quels sont donc ces soupçons? Vous ne vous appelez point Faucion. Il se ressouvient de la forêt. Celui dont vous prenez le nom est actuellement à Athènes. Je l'apprends par une lettre de Mère Messie. C'est peut-être quelqu'un qui se nomme comme moi. Ce n'est pas là tout. C'est que ce nom supposé est la moindre erreur où vous voulez nous jeter. Mais je ne vous entends point, Seigneur. Cet avis-là n'est pas le vôtre, avouez-le, madame. Je vous ai vu ailleurs. Je vous dis le vrai, Seigneur. Les témoins, comme vous voyez, n'étaient pas nécessaires, du moins ne rougissez-vous que devant moi. Si je rougis, Seigneur, je ne me rends pas justice. Et c'est un mouvement que je désavoue. Le déguisement où je suis n'enveloppe aucun projet dont je dois être confuse. Moi qui entrevois ce projet, je n'y vois cependant rien de convenable à l'innocence des mœurs de votre sexe. Rien dont vous puissiez vous applaudir. L'idée de venir m'enlever Agis, mon élève, d'essayer sur lui de dangereux appâts, de jeter dans son cœur un trouble presque toujours funeste, cette idée-là, ce me semble, n'a rien qui doit vous dispenser de rougir, madame. Agis? Qui? Ce jeune homme qui vient de paraître ici? Sont-ce là vos soupçons? Ai-je rien en moi qui les justifie? Est-ce ma physionomie qui vous les inspire? Elle les mérite-t-elle? Et faut-il que ce soit vous qui me fassiez cet outrage? Faut-il que des sentiments tels que les miens l'attirent? Et les dieux qui savent mes desseins ne me le devaient-ils pas épargner? Non, Seigneur, je ne viens point ici troubler le cœur d'Agis. Tout élevé qu'il est par vos mains, tout fort qu'il est de vos leçons, ce déguisement pour lui
n'eût pas été nécessaire. Si je l'aimais, j'en aurais espéré la conquête à moins de frais. Il n'aurait fallu que me montrer, peut-être que faire parler mes yeux. Son âge et mes faibles appâts m'auraient fait raison de son cœur. Mais ce n'est pas à lui à qui le mien en veut. Celui que je cherche est plus difficile à surprendre. Il ne relève point du pouvoir de mes yeux et mes appâts ne feront rien sur lui. Vous voyez que je ne compte point sur eux, que je n'en fais pas ma ressource. Je ne les ai pas mis en état de plaire. Et je les cache sous ce déguisement parce qu'ils me seraient inutiles. Mais ce séjour que vous voulez faire chez moi, madame, fait-il de commun avec vos desseins si vous ne songez pas à agir? Et quoi? Toujours agir. Seigneur, épargnez à votre vertu le regret d'avoir offensé la mienne. N'abusez point contre moi des apparences d'une aventure peut-être encore plus louable qu'innocente. Que vous me voyez se tenir avec un courage qui doit étonner vos soupçons, et dont j'ose attendre votre estime quand vous en saurez les motifs. Ne me parlez donc plus d'Agis. Je ne songe point à lui, je le répète. En voulez-vous des preuves incontestables? Elles ne ménageront point la fierté de mon sexe, mais je n'en apporte ici ni la vanité ni l'industrie. J'y viens avec un orgueil plus noble que le sien, vous le verrez, Seigneur. Il s'agit à présent de vos soupçons, et deux mots vont les détruire. Celui que j'aime veut-il me donner sa main? Voilà la mienne. Agis n'est point ici pour accepter mes offres. Je ne sais donc plus à qui elle s'adresse. Vous le savez, Seigneur, et je viens de vous le dire. Je ne m'expliquerai pas mieux en nommant Hermocrate. Moi, madame. Vous êtes instruit, Seigneur. Ah, je le suis en effet, et ne reviens pas du trouble ce discours me jette. Moi, l'objet des mouvements d'un cœur tel que le vôtre. Seigneur, écoutez-moi, j'ai besoin de me justifier après l'aveu que je viens de faire. Non, madame, je n'écoute plus rien. Toute justification est inutile. Vous n'avez rien à craindre de mes idées, calmez vos inquiétudes là-dessus. Mais de grâce, laissez-moi. Suis-je fait pour être aimé? Vous attaquez une âme solitaire et sauvage à qui l'amour est étranger. Ma rudesse doit rebuter votre jeunesse et vos charmes, et mon cœur en un mot ne pourrait rien pour le vôtre. Hé ! Je ne demande point de partager mes sentiments. Je n'ai nul espoir. Et si j'en ai, je le désavoue. Mais souffrez que j'achève. Je vous ai dit que je vous aime. Voulez-vous que je reste en proie à l'injure que me ferait ce discours-là, si je ne m'expliquais pas ? Mais la raison me défend d'en entendre davantage. Ma gloire et ma vertu se viennent de compromettre, voilà que je continue. Encore une fois, Seigneur, écoutez-moi. Vous paraître estimable, et le seul avantage où j'aspire, le seul salaire dont mon cœur soit jaloux, qu'est-ce qui vous empêcherait de m'entendre? Je n'ai rien de redoutable que les charmes humiliés par l'aveu que je vous fais, qu'une faiblesse que vous méprisez, que je vous apporte à combattre. J'aimerais encore mieux l'ignorer. Oui, Seigneur, je vous aime! Mais ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas ici d'un penchant ordinaire. Cet aveu que je vous fais ne m'échappe point, je le fais exprès. Ce n'est point l'amour à qui je l'accorde, il ne l'aurait jamais obtenu. C'est à ma vertu même à qui je le donne. Je vous dis que je vous aime parce que j'ai besoin de la confusion de le dire. Parce que cette confusion aidera peut-être à me guérir. Parce que je cherche à rougir de ma faiblesse pour la vaincre. Je viens affliger mon orgueil pour le révolter contre vous. Je ne vous dis pas que je vous aime afin que vous m'aimiez. C'est afin que vous m'appreniez à ne plus vous aimer moi-même. Assez ! Méprisez l'amour, j'y consens, mais faites que je vous ressemble ! Enseignez-moi à vous ôter de mon cœur ! Défendez-moi de l'attrait que je vous trouve. Je ne demande point de m'aimer, il est vrai, mais je désire de l'être. Ôtez-moi ce désir ! C'est contre vous-même que je vous implore !
Je ne veux point vous aimer. Que cette indifférence-là vous guérisse et finissez un discours où tout est poison pour qui l'est. Grand Dieu ! À quoi me renvoyez-vous ? À une indifférence ? Que j'ai bien prévue. Est-ce ainsi que vous répondez au généreux courage avec lequel je vous expose ma situation ? Le sage ne l'est qu'il ne profite de personne ! Je ne le suis point, madame. Eh bien, soit ! Laissez-moi le temps de vous trouver des défauts et souffrez que je continue. Que m'allez-vous dire encore ? Écoutez-moi. J'avais entendu parler de vous. Tout le public est plein de votre nom. Passons de grâce, madame. Excusez ces traits d'un cœur qui se plaît à louer ce qu'il aime. Je m'appelle Aspinson. Et ce fut dans ces solitudes où je vivais, comme vous, maîtresse de moi-même, et d'une fortune assez grande, avec l'ignorance de l'amour, avec le mépris de tous les efforts qu'on faisait pour m'en inspirer. Ma complaisance est ridicule. Ce fut dans ces solitudes que je vous rencontrai, vous promenant aussi bien que moi. Je ne savais qui vous étiez d'abord, cependant en vous regardant, je me sentis émue. Il semblait que mon cœur devinait un crâne. Non, je ne saurais plus supporter ce récit. Au nom de cette vertu que vous chérissez, Aspasie, laissons là ce discours, abrégeons. Quels sont vos desseins ? Ce récit vous paraît frivole, il est vrai, mais le soin de rétablir ma raison ne l'est pas. Et le soin de garantir la mienne doit m'être encore plus cher. Tout sauvage que je suis, j'ai des yeux, vous avez des charmes et vous m'aimez. J'ai des charmes, dites-vous ? Hé ! Quoi, Seigneur ? Est-ce que vous les voyez ? Et craignez-vous de les sentir ? Je ne veux pas même m'exposer à le craindre. Puisque vous les évitez, vous en avez donc peur ? Vous ne m'aimez pas encore, mais vous craignez de m'aimer. Vous m'aimerez, Hermocrate, je ne saurais m'empêcher de l'espérer. Vous me troublez, je vous réponds mal et je me tais. Eh bien, retirons-nous. Marchons, rejoignons Léontine. J'ai des sables de demeurer quelque temps ici. Et vous me direz tantôt ce que vous aurez décidé là-dessus. Allez donc, Aspasie, je vous suis. J'ai pensé m'égarer dans cet entretien. Quel parti faut-il que je prenne ? Approche-toi ! Tu vois, ce jeune étranger qui me quitte, je te charge d'observer ses actions, de le suivre le plus que tu pourras et d'examiner s'il cherche à entretenir Agis, entends-tu ? J'ai toujours estimé ton zèle et tu ne saurais me le prouver mieux qu'en t'acquittant exactement de ce que je te dis là. Vous t'affairez faite. Pas plus tard que tantôt, je vous apporte toute ma pensée. Thank you.
nouveaux venus sont ici, il n'y a pas moyen de vous parler. Vous êtes toujours à chuchoter ailleurs avec ce marmousette valet. Possibilité, mon ami. Mais je ne te l'aime pas moi, pas que je te laisse là. Mais la civilité ne veut pas qu'on soit malhonnête envers moi. Qu'ici, vous d'anciens camarades. Oui, pan sangué, le vin et l'amitié, c'est tout un. Pleurez sans mieux tous deux et mieux sexe. Cette comparaison-là est de bon goût. Nous en boirons la moitié quand tu voudras et tu boiras gratis à mes dépens. Diantre, vous êtes hasardeux. Vous dites ça comme s'il en pleuvait. Avez-vous bien de quoi? Ne te marasse pas. Vartouchou, vous êtes une femme marle. Mais morgue, je suis marlitou, moi. Et depuis quand suis-je devenu merle? Bon, ne s'avouche pas que vous avez de la finance de rencontre. Je vous en vis tantôt compter votre somme. Il a raison. Voilà ce que c'est que de vouloir savoir son compte. Paillez dans le palio. Écoutez, notre ami, il y a bien des affaires. Bien du tintamarre dans l'esprit de notre maître. Il m'avoue aussi compter ma fille, hein. Oh, Boirement, c'est bien pis. Faut qu'il se doute de toute la manigance. Car il m'a enchargé de faire ici le renard en tapis noir. Pour la seule fois de défricher la pensée de ces deux personnes, dont il a une danse par rapport à l'intention qu'ils avaient, dont il est en peine d'avoir connaissance aux choses. Vous entendez bien? Pas trop. Mais, mon ami, j'ai pas vu ton cardinal. Chut! N'appréhendez des reins de ce renard-là. Il n'y a donc seulement qu'à voir ce que vous voulez que je les dise. Premièrement, d'abord, faut pas lui déclarer ce que c'est que ce monde-là, n'est-ce pas? Reste bien, mon garçon. Laissez-moi faire. Il n'a tout nous qu'à moi d'en dégoiser, car je n'ignore de rien. D'où c'est donc qu'ils sont? Oh, que si je le savais, je les connaissais de plantes et de racines. Oh, je croyais qu'il n'y avait que moi que le connaissais. Vous, par la morgue, peut-être bien que vous n'en savez rien. Oh, que si! Cache que non! Ça ne se peut pas, ça est pas trop difficile. Mais voyez cette opiniâtre! Je te dis qu'elle me l'ont dit elle-même! Quoi? Qu'ils étaient des femmes! Ah, le sont des femmes? Commandant, Fripon, est-ce que tu ne le savais pas? Non, Morgue, parle-moi, mais je triomphe! Oh, mon vieux renard! Philomène! Ah, le sont des femmes! Ah, t'as dit que je suis née! Je suis un misérable! Que t'as pas, je m'en vais faire! Comme je vais m'ébrouiller raconter ça! Que plaisir! Dimas, tu me coupes la gorge! Oh, je m'embarrasse bien de votre gorge! Des femmes qui baillent de l'argent derrière un jardinier, malgré qu'il les trompe dans son jardin. Il n'y a mort qu'un point de gorge qui tienne, faut punir ça. Voilà. Es-tu friand d'argent? Je serais bien dégoûté si je ne l'étais pas. Mais où est-il cet argent? Je ferai financer cet apport, acheter mon étourderie, je te le promets. Cette étourderie-là n'est pas à bon marché, je vous en avertis. Mais je sais bien qu'elle est considérable. Mais par préambule, j'entends et je prétends que vous me disiez toute cette friponnerie-là. Ah ça! Combien avez-vous reçu de cette dame tant en monnaie qu'en grosse pièce? Parlez en conscience. Madame, les 20 pièces d'or. 20 pièces d'or. Que charté d'argent ça fait! Ou voilà une histoire qui vaut une métairie. Après, cette dame que vient-elle pas tricoter ici? C'est caché, ça a pris son corps dans une promenade. Eh bien, que se garait-il? Et elle s'est mise comme ça pour escamoter aussi le carnage sans qu'il le voie. Ah, fort bien! Tout ça est un bon revenu pour moi. Tout ça se peut, moyennant que j'escamote et tout! Et ce petit valet, Hermidas, et ainsi tout une escamoteuse. C'est encore un cœur que je pourrais bien prendre en passant. Ça ne vous convient pas à vous qui êtes un apprenti docteur. Laissez-les, que la tête vienne. Faites avancer l'espèce. Il est avec
Elles nous ont approchés. Dites-leur que je suis seul sur le passage. Ne vous gênez point, car je suis un mobiliard, madame. À qui parles-tu, Harlequin? Hélas, il n'y a plus de mystère. Il m'a fait causer avec un attrape. Malheureux, tu lui as dit qui j'étais? Il n'y a pas de silence de manque. Ciel! Je savons la part de bout de cœur et l'escamotage de Stylabagus. Je savons son argent. Il n'y a que Styla qui ne m'a promis que je ne savais pas encore. Corinne, c'en est fait, mon projet est renversé. Non, madame, ne vous découragez point. Dans votre projet, vous avez besoin d'ouvriers. Il n'y a qu'à gagner aussi le jardinier. N'est-il pas vrai, Dimas? Je suis tout à fait de votre avis, mademoiselle. Eh bien, que faut-il pour cela? Il n'y a qu'à m'acheter ce que je vaux. Le fréfond ne vaut pas ce nom pas. Ne tiens-tu aussi qu'à cela, Dimas? Tiens, prends toujours d'avance ce que je te donne là. Et si tu te tais, sache que tu remercieras toute ta vie le ciel d'avoir été associé à cette aventure si elle est plus heureuse pour toi que tu ne saurais l'imaginer. Conclusion, madame, me voilà rendu. Moi, me voilà ruiné. Cassez ma peste de langue, tout cet argent arrivait dans ma poche. C'est de mes deniers qu'on achète ce bourrion. Qu'il vous suffise que je vous ferai riche tous deux. Mais parlons de ce qui m'amenait ici et qui m'inquiète. Hermocrate m'a promis tantôt de me garder quelque temps ici, cependant je crains qu'il n'ait changé de sentiment. Dis-moi la vérité, Harlequin. Ne t'est-il rien échappé avec lui de mes desseins sur Agis? Je te cherchais pour savoir cela, je ne me cache rien. Non, pour ma foi, ma belle dame, il n'y a que ce fureux qui là qui m'a pris comme avec un filet. Mon guet, l'ami, faut que la prudence vous coupe à présent la gorge sur tout ça. Si tu n'as rien dit, je ne crains rien. Vous saurez de Corinne à quoi j'en suis avec le philosophe et sa sœur. Et vous, Corinne, puisque Dimas est des nôtres, partagez entre Harlequin et lui ce qu'il y aura à faire. Il s'agit à présent d'entretenir les dispositions du frère et de la sœur. Nous réussirons, ne vous inquiétez pas. J'aperçois Agis, vite, retirez-vous vous autres. Surtout prenez garde qu'Hermocrate nous surprenne ensemble. Inquiet. Hermocrate n'est plus si disposé à consentir à ce que vous souhaitez. Je n'ai encore été mécontent de lui qu'aujourd'hui. Il n'allègue rien de raisonnable. Ce n'est point encore moi qui l'ai pressé sur votre chapitre. J'étais seulement présent quand sa sœur lui a parlé pour vous. Elle n'a rien oublié pour le déterminer et je ne sais ce qu'il en fera, car une affaire d'importance qui demandait Hermocrate et qui l'occupe actuellement a interrompu leur entretien. Mais, Faucion, que ce que je vous dis là ne vous rebute point. Pressez-le encore, c'est un ami qui vous en conjure. Je lui parlerai moi-même et nous pourrons le vaincre. Quoi ? Vous m'en conjurez, Agis ? Vous trouvez donc quelque douceur à me voir ici ? Je n'y attends plus que l'ennui qu'on ne lisserait plus. Il n'y a plus que vous qui m'y arrêtez aussi. Votre cœur partage donc les sentiments du mien? Mille fois plus que je ne saurais vous. Laissez-moi vous en demander une preuve. Voilà la première fois que je goûte le charme de l'amitié. Vous avez les prémices de mon cœur. Ne m'apprenez point la douleur dont on est capable quand on perd son ami. Moi, vous l'apprendrez, j'y sais. Pourrais-je se reconnaître la victime? Écoutez le reste. Souvenez-vous que vous m'avez dit qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous voir toujours. Et sur ce pied-là, voici ce que j'imagine. Voyons. Je ne saurais sitôt quitter ces lieux d'importantes raisons que vous saurez quelques jours m'en empêche. Mais vous, Faucion, qui êtes le maître de votre sort, attendez ici que je puisse décider du mien. Demeurez près de vous. Quelque temps.
L'amour peut altérer bientôt de si tendres sentiments. Un ami ne tient point contre une maîtresse. Moi, de l'amour, potion. Fasse le ciel que votre âme lui soit aussi inaccessible que la mienne. Vous ne me connaissez pas, hein? Mon éducation, ma raison, mes sentiments, tout lui ferme mon cœur. Il a fait les malheurs de mon sang et je hais, quand j'y songe, jusqu'au sexe qui nous l'inspire. Quoi? Hein? Ce sexe est l'objet de votre haine, Agis. Je le fuirai toute ma vie. Cet aveu change tout entre nous, Seigneur. Je vous ai promis de demeurer en ces lieux, mais la bonne foi me le défend. Cela n'est plus possible, et je pars. Vous auriez quelques jours des reproches à me faire, je ne veux point vous tromper. Et je vous rends jusqu'à l'amitié que vous m'aviez accordée. Étrange langage, me tenez-vous la potion? D'où vient ce changement subit? Qu'ai-je dit qui puisse vous déplaire? Direz-vous, Agis, vous ne regretterez point. Vous avez craint de connaître ce que c'est que la douleur de perdre un ami. Je vais l'éprouver bientôt, mais vous ne la connaîtrez point. Moi, cessez d'être votre ami! Vous êtes toujours le mien, Seigneur! Je ne suis plus le vôtre. Je ne suis qu'un des objets de cette haine dont vous parliez tout à l'heure! Quoi? Non! Ce n'est pas la fonction. Non, Seigneur. Cet habit vous abuse. Il vous cache une fille infortunée. Qui échappe sous ce déguisement à la persécution de la princesse. Mon nom est Aspasie. Je suis née d'un sang illustre dont il ne reste plus que moi. Les biens qu'on m'a laissés me jettent aujourd'hui dans la nécessité de fuir. La princesse veut que je les livre avec ma main à un de ses parents qui m'aime et que je hais. J'ai appris que sur mes refus, elle devait me faire enlever sous de faux prétextes et... Je n'ai trouvé d'autre ressource contre cette violence que de me sauver sous cet habit qui me déguise. J'ai entendu parler d'Hermocrate et de la solitude qu'il habite. Et je venais chez lui sans me faire connaître, tâcher, du moins pour quelques jours, d'y trouver une retraite. Je vous ai rencontré, vous m'avez offert votre amitié. Je vous ai vu digne de toute la mienne. La confiance que je vous marquais, une preuve que je voulais donner. Je la conserverai malgré la haine qui va succéder à la vôtre. Dans l'étonnement où vous me jetez, je ne saurais plus moi-même démêler ce que je pense. Moi, je le démêle pour vous. Adieu, Seigneur. Hermocrate souhaite que je me retire d'ici. Vous m'y souffrez avec peine. Mon départ va vous satisfaire tous deux. Et je vais chercher des cœurs pour la bonté de me refuser ma vie. Madame, arrêtez! Votre sexe est dangereux, il est vrai. Mais les infortunés sont trop respectables. Vous me haïssez, Seigneur. Non. Vous dis-je arrêter Aspasie? Vous êtes dans un état que je plains. Je me reprocherai de n'y avoir pas été sensible. Et je presserai moi-même Hermocrate, s'il le faut, de consentir à votre séjour ici. Vos malheurs m'y obligent. Ainsi, vous n'agirez plus que par pitié pour moi. Que cette aventure me décourage. Le jeune seigneur que l'on veut que j'épouse me paraît estimable, après tout. Plutôt que de prolonger un état aussi rebutant que le mien, ne voudrait-il pas mieux me rendre? Je vous conseille pas, madame. Il faut que le cœur et la main se suivent. J'ai toujours entendu dire que le sort le plus triste est d'être uni avec ce qu'on n'aime pas. Que la vie, alors, est un tissu de langueur. Que la vertu même, en nous secourant, nous accable. Mais peut-être sentez-vous que vous aimerez volontiers celui qu'on vous propose? Non, Seigneur. Ma fuite en est une preuve. Prenez-y donc garde.
Surtout si quelque secret penchant vous prévenait pour un autre, car peut-être aimez-vous ailleurs et ce serait encore pire. Non, vous dis-je. Je vous ressemble. Je n'ai jusqu'ici senti mon cœur que par l'amitié que j'ai eue pour vous. Et si vous ne me retiriez pas la vôtre, je ne voudrais jamais d'autre sentiment que celui-là. Sur ce pied-là, ne vous exposez pas à revoir la princesse, car je suis toujours le même. Vous m'aimez donc encore ? Toujours. Madame. D'autant plus qu'il n'y a rien à craindre, puisqu'il ne s'agit entre nous que d'amitié, qui est le seul penchant que je puisse inspirer, et le seul aussi, sans doute, dont vous soyez capable. Seigneur, personne n'est plus digne que vous de la qualité d'ami. Celle d'amant ne vous convient que trop, mais ce n'est pas à moi, vous le dites. Je voudrais bien ne le devenir jamais. Laissons donc là l'amour, il est même dangereux d'en parler. Voici, je pense, un domestique qui vous cherche. Hermocrate, vous n'êtes plus occupé. Souffrez que je vous quitte pour aller me joindre. Je te tiens.
De grâce, ménagez-moi, Léontine. Je m'égare à la seule idée de partir. Je ne saurais plus vivre sans vous. Je vais remplir ces lieux de mon désespoir. Je ne sais plus où je suis. Et parce que vous êtes désolée, il faut que je vous aime. Qu'est-ce qu'une semblable tyrannie? Est-ce que vous m'haïssez? Je le demande. Les dispositions de votre cœur me sont-elles favorables? Comme toi. Désolé qu'il se retire, madame, je vous en prie. Vous me retirez moi-même. Si vous vous en allez sans promettre de parler pour moi, je ne réponds plus de ma raison. Attends, lequel n'est pas nécessaire que tu restes ici. Plus nécessaire que vous le pensez, madame. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce monsieur-là n'est pas si friand de la sagesse que des filles sages. Et je vous avertis qu'il faut déniaiser la vôtre. Que veux-tu dire, Harlequin? Rien ne m'annonce ce que tu dis là, et c'est une plaisanterie que tu fais. Oh, que le nez! Tenez, madame, d'un ton de valet qui est de l'espiègle, et vous nous me dites. Eh bien, qu'est-ce? Y a-t-il moyen d'être amis ensemble? Oh, de tout mon corps, que vous êtes heureux d'être ici. Pas mal, les honnêtes gens que vos maîtres, oh, admirable, que votre maîtresse est aimable, oh, divine. Dites-moi, avez-vous des amants? Tant que l'on en vaut, nous. On a-t-elle à cette heure? Tant que l'on vaut. On aura-t-elle encore? Tant que l'on voudra. A-t-elle envie de se marier? Elle ne dit pas ses envies. Restera-t-elle fille? Je ne garantis rien. Qui est-ce qui la voit? Qui est-ce qui ne la voit pas? Vient-il quelqu'un? Ne vient-il personne? Et par-ci et par-là? Est-ce que votre maître en est amoureux? Il en perd l'esprit. Nous ne restons ici que pour lui avoir le cœur afin qu'il nous épouse, car nous avons des richesses et des flammes plus qu'il n'en faut pour 10 ménages. N'en as-tu pas dit assez? Voyez comme il s'en soucie. Il vous donnera le main si vous voulez. Est-il pas vrai, Seigneur Faucion, Camidas ne fait que s'amuser en lui disant cela. Aïe, aïe! La voix vous manque, ma chère maîtresse. Votre cœur prend congé de la compagnie. On le pille actuellement. J'y vais faire venir le seigneur Hermocrate à notre secours. Arrête, Harlequin, vois-tu? Je ne veux point qu'il sache qu'on me parle d'amour. Oh, puisque le fripon est de vos amis, ce n'est pas la peine de crier au folard. Que la sagesse s'accommode. Mariez-vous, il y aura encore de la place pour elle. Mais qui est le brave femme a bien ce mérite. N'oubliez pas la discrétion de votre petit serviteur qui vous fait ses compliments et que des dira mon. Va, je me charge moi de payer ton silence.
Je ne veux jamais vous perdre de vue. La moindre absence, mais douloureuse, me durera-t-elle qu'un moment? Et ce portrait vous l'adoucira. Cependant, vous le gardez. Je ne devrais pas vous le rendre, mais tant d'amour m'en ôte le courage. Cet amour, ne vous en inspire-t-il pas d'autre? Oh, hélas, je n'en voulais point. Et je n'en serais peut-être pas la maîtresse. Oh! Et quelle joie vous comblez! Donc arrêtez que je vous aimerai. Ne me promettez point votre cœur. Dites-moi que je l'ai. Ne le dirai. Je ne dirai que trop vrai. Je resterai libre. Et vous parlerez à vos craintes. Il le voudra bien. Vous me laissez le temps de me résoudre à notre union. Cessez cet entretien, je vois Dimorce qui vient. Je me sens dans une émotion de cœur. Je ne veux pas qu'on me voie. Adieu, potion. Ne vous inquiétez pas, je me charge du consentement de mon frère. Véla le philosophe qui se promène en varis tout rêvant. Faites-nous de la marge et laissez-nous le terrain pour à celle fin que je lui embaille encore d'une venue. Courage, Dima, je me retire et reviendrai dès qu'il sera parti. Et non, mais j'allions vous rendre compte à son sujet. Eh bien, as-tu découvert quelque chose? Est-il souvent avec Agis? Cherche-t-il à le voir? Oh que non! Il a, ma foi, bien d'autres tracas dans la cervelle. Ce début me fait craindre le reste. De quoi s'agit-il donc? Il s'agit, morgue, que vous avez bien du mérite et que faut admirer votre science, votre partout, votre bonne mine. Et d'où vient ton enthousiasme là-dessus? Oh, c'est que je compare votre face à ce qui arrive. C'est qu'il se passe des choses immerveillables et qui portent la signifiance de la rareté de votre part. C'est quand se meurt un soupir. Hélas, se dit-on que je l'aime, ce cher orbe, cet agréable orbe. Je ne sais de qui tu me parles. Bah, ma foi, c'est de vous et puis d'un garçon qui n'est qu'une fille. Je ne reconnais point ici. Bah, vous connaissez bien vos sciences. Eh bien, il n'y a que son habit qui est au monde. Le reste est à tout le fruit. Que me dis-tu là? Tatiguée qu'elle est remplie de charme. Morgue, que vous êtes heureux, car tous ces charmes-là, devinez leur intention. Je les avais entendus raisonner. Ils se disent comme ça qu'ils se gardent pour l'homme le plus mortel
Ah non, 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 je me trompe. Pour le mortel, le plus parfait qui se trouve parmi les mortels de tous les hommes, qui s'appelle... Hémocrate. Qui, moi? Écoutez, écoutez, écoutez. Que m'avait-il encore dit? Comme je cherchions tantôt à obéir à votre commandement, je l'avoue qui coupait dans le taillis avec son valet Thermidas, qui est tout un acabit de garçon de la même étoffe. Moi, tout parlement, je traverse le taillis par un autre côté, et puis je les entends deviser. Et puis, Fosséon commence. Oh, voilà qui est fait, Corinne. Il n'y a plus de garrison pour moi. Je l'aime trop, cet homme-là. Je ne saurais plus que faire ni que dire. Et mais pourtant, madame, vous êtes si belle. Eh bien, cette beauté, que profit me fait-elle, puisqu'il veut que je m'en retourne. Et mais patience, madame. Et mais, où est-il? Mais, que fait-il? Où se tient la sagesse de sous-pension? Arrête, Dimas! Je suis à la fin. Mais que vous dit-il quand vous lui parlez, madame? Et mais, il me gronde, et moi je me fâche, ma fille. Il me représente qu'il est sage. Et moi, il tout se lui fait. Oh! Mais je vous plains, se me fait-il. Oh! 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 Me plaît bien refaite, se lui dis-je. Oh! Mais n'avez-vous pas honte? Se me fait-il. Oh! Oh! Qu'est-ce que ça m'avance, se lui dis-je. Mais vous te marquez, madame. Oh! 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 Mon tourment, monsieur. Oh! Oh! Est-ce que les marteaux ne se marions pas ensemble? Il me suffit, Anige! C'en est assez! Je suis d'avis que vous garissiez cet enfant-là, notre maître, en tombant et tout malade pour elle. Et puis, la prendre pour ménagère. Car en restant garçon, ça entarde la lignée de mon homme et ce serait dommage de l'entarrement de la poutre. Mais en parlant par similitude, n'y aurait-il pas moyen, par un bout de moyen, de me recommander à l'affection de la femme de chambre? À cause que je connaissons toutes ces prodelles-là et que je n'en sonne au mot. Il ne me manquait plus que d'essuyer ce compliment-là. Sois discret, Dimas, je te l'ordonne. Il serait fâcheux pour la personne en question que cette aventure-ci fût connue. Et de mon côté, je vais y mettre bon ordre. En la renvoyant. Je ne t'entends plus. Parquet, c'est qu'il ne s'entend pas lui-même. Il ne voit plus goût à ce qu'il veut. Oh, et là, sa dernière parole. Toute sa philosophie est à folio. Il n'y en reste pas une once. Il faudra bien qu'il me cède ce reste-là. Un portrait vient de terrasser la prudomie de la sœur. J'en ai encore un au service du frère. Cependant, agis, mais vite. Je ne l'ai presque point vu depuis qu'il sait qui je suis. Il parlait tout à l'heure à Corinne. Peut-être me cherche-t-il. Vous l'avez deviné, car le Bella qui rit. Mais, madame, ayez toujours souvenance que ma fortune est au bout de l'histoire. Tu peux la compter faite. Oh, grand merci. Madame. Keep
Que j'aime, mais j'ignore si ce que je sens pour elle est amitié ou amour. Quand j'en suis là-dessus à mon apprentissage, et je venais prier de m'instruire. Mais je connais cette personne-là, je pense. Cela ne vous est pas difficile? Quand vous êtes venu ici, vous savez que je n'aimais rien. Oui. Et depuis que j'y suis, vous n'avez vu que moi. Concluez donc. Eh bien, c'est moi. Cela va tout de suite? Oui. C'est vous, Aspasie. Et je vous demande à quoi j'en suis. Je n'en sais pas le mot. Mais dites-moi à quoi j'en suis moi-même. Car je suis dans le même cas pour quelqu'un que j'aime. Et pour qui donc, Aspasie? Pour qui? Mes raisons qui m'ont fait conclure que vous m'aimiez ne nous sont-elles pas communes? Et ne pouvez-vous pas conclure tout seul? Il est vrai que vous n'aviez point encore aimé quand vous êtes arrivé. Je ne suis plus de même, mais je n'ai vu que vous. Le reste est clair. C'est donc pour moi que votre cœur est en peine, Aspasie? Oui. Mais tout cela, nous n'aurons pas plus avant. Nous nous aimions avant que d'être inquiets. Nous aimons-nous de même ou bien différemment? C'est de quoi il est question? Si nous nous disions ce que nous sentons, peut-être éclaircirions-nous la chose. Voyons donc. Avez-vous tantôt de la peine à m'éviter? Une peine infinie. Cela commence mal. Ne m'évitiez-vous pas à cause que vous avez le cœur troublé avec des sentiments que vous n'osiez pas me dire? Me voilà. Vous me pénétrez à merveille. Oui, me voilà. Mais je vous avertis que votre cœur n'en ira pas mieux. Et que voilà encore des yeux qui ne me pronostiquent rien de bon là-dessus. Il vous regarde avec un grand plaisir. Avec un plaisir qui va jusqu'à l'émotion. Allons, allons, c'est de l'amour. Il est inutile de vous interroger davantage. Je donnerai ma vie pour vous. J'en donnerais 1000 si je les avais. Preuve sur preuve. Amour dans l'expression. Amour dans les sentiments. Dans les regards. Amour, s'il en fut jamais. Amour, comme il n'en est point, peut-être. Mais je vous ai dit ce qui se passe dans mon cœur, ne serait-ce point ce qui se passe dans le vôtre? Doucement, Agis. Une personne de mon sexe parle de son amitié tant qu'on veut, mais de son amour, jamais. D'ailleurs, vous n'êtes déjà que trop tendre, que trop embarrassé de votre tendresse, et si je vous disais mon secret, ce serait encore pire. Vous avez parlé de mes yeux,
Que les vôtres m'apprennent que vous n'êtes pas insensé. Oh, mon Dieu, mes yeux! Je n'en réponds point. Ils peuvent bien vous dire que je vous aime, mais je n'aurai pas à me reprocher de vous l'avoir dit moi. Juste ciel! Dans quel abîme de passion le charme de ce discours ne me jette-t-il pas? Vos sentiments ressemblent aux miens. Oui, cela est vrai. Vous l'avez deviné. Et ce n'est pas ma faute. Mais ce n'est pas le tout que d'aimer. Il faut avoir la liberté de se le dire et se mettre en état de se le dire toujours. Et le Seigneur Hermocrate qui vous gouverne... Je le respecte. Et je l'aime. Mais je sens déjà que les cœurs n'ont point de maître. Cependant, il faut que je le voie avant qu'il vous parle, car il pourrait bien vous renvoyer dès aujourd'hui et nous avons besoin d'un peu de temps. C'est bien dit, Agis. Allez-y dès ce moment. Il faudra bien nous retrouver, car j'ai bien des choses à vous dire. Moi aussi. Adieu. Partez. Que dans nous voir longtemps ensemble, j'ai toujours peur qu'on ne se doute de ce que je suis. Adieu. Je vous laisse, aimable Aspasie, et faites travailler pour votre séjour ici. Hermocrate ne sera peut-être plus occupé. Il a manqué bien fait de s'en aller, car c'est là le jaloux qui arrive. On va rester donc enfin, Hermocrate, pour dissiper le penchant qui m'occupe. N'avez-vous imaginé que l'ennui où vous me laissez, il ne vous réussira pas. Je n'en suis que plus triste et n'en suis pas moins tendre. Différentes affaires m'ont retenu, Aspasie, mais il ne s'agit plus de penchant. Votre séjour ici est désormais impraticable. Il vous ferait tort. Dimas sait qui vous êtes. Ne vous dirai-je plus. Il sait le secret de votre cœur. Il vous a entendu. Ne nous fions ni l'un ni l'autre à la discrétion de ses pareils. Il y va de votre gloire. Il faut vous retirer. Me retirer ? Seigneur ! Dans quel état me renvoyez-vous ? Avec mille fois plus de troubles que je n'en avais. Qu'allez-vous faire pour me guérir ? À quelle vertu secourrai-je reconnu le sage Hermocrate ? Que votre trouble finisse à ce que je vais vous dire. Vous m'avez cru sage. Vous m'avez aimé sur ce pied-là. Je ne le suis point, madame. Un vrai sage croirait en effet sa vertu comptable de votre repos. Eh bien, savez-vous pourquoi je vous renvoie ? C'est que j'ai peur que votre secret n'éclate et ne nuise à l'estime qu'on a pour moi. C'est que je vous sacrifie à l'orgueilleuse crainte de ne pas paraître vertueux sans me soucier de l'être. C'est que je ne suis qu'un homme vain, un superbe à qui la sagesse est moins chère que la méprisable et frauduleuse imitation qu'il en fait. Voilà ce que c'est que l'objet de votre amour. Oui, je ne l'ai jamais tant admiré. Comment donc ? N'avez-vous que cette industrie-là contre moi ? Vous augmentez mes faiblesses en exposant l'opprobre dont vous avez l'impitoyable courage de couvrir les vôtres. Vous dites que vous n'êtes point sage. Et vous étonnez ma raison par la preuve sublime que vous me donnez du contraire. Attendez, madame. M'avez-vous cru susceptible de tous les ravages que l'amour fait dans le cœur des autres hommes ? Eh bien, l'âme la plus vile, les amants les plus vulgaires, la jeunesse la plus folle n'éprouvent point d'agitation que je n'ai sentie. Inquiétude, jalousie, transport m'ont agité tour à tour. Reconnaissez-vous Hermocrate à ce portrait ? L'univers est plein de gens qui me ressemblent. Perdez donc un amour que tout homme...
que moi, madame. Non! Je le répète encore. Si les dieux pouvaient être faibles, ils le seraient comme Hermocrate. Jamais il ne fut plus grand, jamais plus digne de mon amour. Jamais mon amour plus digne de lui. Juste ciel. Vous parlez de ma gloire? En est-il qui vaille celle de vous avoir causé le moindre des mouvements que vous dites? Non. C'en est fait, Seigneur. Je ne vous demande plus le repos de mon cœur. Vous me le rendez par l'aveu que vous me faites. Vous m'aimez. Je suis tranquille et charmée. Vous me garantissez votre union. Il me reste un mot à vous dire et je finis par là. Je révélerai votre secret. Je déshonorerai cet homme que vous admirez et son affront rejaillira sur vous-même si vous ne partez! Eh bien, Seigneur, je pars. Mais je suis sûre de ma vengeance. Puisque vous m'aimez, votre cœur me la garde. Allez, désespérez le mien. Fuyez un amour qui pouvait faire la douceur de votre vie et qui va faire le malheur de la mienne. Jouissez, si vous le voulez, d'une sagesse sauvage dont mon infortune va vous assurer la durée cruelle. Je suis venue vous demander du secours contre mon amour. Vous ne m'en avez point donné d'autre que m'avouer que vous m'aimiez. C'est après cet aveu que vous me renvoyez. Après un aveu qui redouble ma tendresse. Les dieux dédesteront cette même sagesse conservée aux dépens d'un jeune cœur que vous avez trompé, dont vous avez trahi la confiance, dont vous n'avez point respecté les intentions vertueuses et qui n'a servi que de victime à la férocité de vos ambitions. Me direz-vous crime, madame. Vous me le donnez si vous voulez que je me taise. Mais vous m'attendrissez plus que vous ne pensez, mais n'éclatez point. Rendez-moi donc cela! De quel droit le retenez-vous? Qu'est-ce que ça signifie? Non, Morlot, ma fidélité n'en tient pas en raillerie! Il faut que j'avertisse pour elle! Que veut dire la bruit qu'en fait? De quoi s'agit-il là? Qu'est-ce que c'est qu'Herminas te demande? J'ai découvert un micmac, Seigneur Hermocrate! Ça générera pour de conséquences! Je viens de trouver ce petit garçon qui était dans la posture de l'homme qui écrit. Il rêvait, secouait la tête, mirait sous l'ouvrage. Et j'ai remarqué qu'il enveloppait de lui une coquille où il y avait du gris, du vert, du blanc. Et où il trempait sa plume. Comme j'étais derrière lui, je me suis approché pour voir son original de lettres. Mais voyez le fripon, ce n'était point des mots ni des paroles qu'il écrivait. C'était un visage. Ce visage-là, c'était vous, Seigneur Hermocrate. Moi ? Votre propre visage. À l'exception qu'elle est plus courte que celui que vous portez. Le nez que vous aviez ordinairement est lui seul le plus de place que vous tout entier de ce minois. Est-ce qu'il est permis de rapetisser la face de Jean, de démontrer la largeur de leur physionomie? Tenez, regardez l'ami que vous faites là-dedans. Tu as bien fait, Harlequin, je ne te blâme point. Va-t'en, je vais examiner ce que cela signifie. N'oubliez pas de vous faire un grain les deux tiers de votre visage. Quelle était votre idée? Pourquoi m'avez-vous donc peint? Par une raison toute naturelle, Seigneur. J'étais bien aise d'avoir le portrait d'un homme illustre et de le montrer aux autres. Vous me faites trop d'honneur. Et d'ailleurs, je savais que ce portrait ferait plaisir à une personne à qui il ne convenait point de le demander. Et cette personne, quelle est-elle? Seigneur, taisez-vous, Corinne! Pourquoi, je peux dire, vous, Aspasie? Non, demandez pas d'abord.
sais plus ce que je deviens moi-même. Je saurais soutenir cette aventure. Et moi, cette épreuve si m'entraîne. Oh, Corinne, pourquoi avez-vous été surprise? Vous triomphez. Vous l'emportez, Aspasie. Je me rends. Sur ce pied-là, je vous pardonne la confusion dont ma victoire se couvre. Reprenez ce portrait, madame, il vous appartient. Non! Je ne le reprendrai point, que ce ne soit votre cœur qui me l'abandonne. Rien ne doit vous empêcher de le reprendre. Sur ce qu'est là, vous devez estimer le mien, et le voilà. Marquez-moi qu'il vous est cher. Trouvez-vous assez humilié, je ne vous dispute plus rien. Quand on irrite l'amour, on éprouve sa vengeance. À quoi sert la résistance? Tôt ou tard, il a son tour. Il manque encore quelque chose. Si le seigneur Hermocrate voulait souffrir que je le finisse, il ne faudrait qu'un instant pour cela. Parce que nous sommes seuls. Instant, ne le refusez pas, Seigneur! Ne m'exposez point à ce risque-là, Aspasie! Quelqu'un pourrait nous surprendre! Un instant, je prions, dites-vous, ne le laissons pas faire! Il est précieux! Vos yeux me regardent avec une tendresse que je voudrais bien qu'on recueillît afin d'en conserver l'image. Vous ne voyez point vos regards, ils sont charmants, Seigneur, achève, Corinne, achève! Seigneur, un peu de ce côté, je vous prie, daignez m'envisager. Oh, ciel! À quoi me réduisez-vous? Votre cœur rougit-il des présents qu'il fait au mien? Levez un peu la tête, Seigneur. Vous le voulez, Aspasie? Tournez un peu à droite. Cessez! Agis, approche! Sortez! Hermidas! Venez vous prier, Seigneur, de nous laisser Phocion pour quelque temps, mais j'augure que vous y consentez et qu'il est inutile que je vous en parle. Vous souhaitez donc qu'il reste, Agis? Je vous avoue que j'aurais été très fâché qu'il partît. Et que rien ne saurait me faire tant de plaisir que son séjour ici. On ne saurait le connaître sans l'estimer, et l'amitié suit aisément l'estime. J'ignorais que vous fussiez déjà si charmés l'un de l'autre. Nos entretiens, en effet, n'ont pas été bien fréquents. Peut-être que j'interromps la conversation que vous avez ensemble. Et c'est à quoi j'attribue la froideur avec laquelle vous m'écoutez. Ainsi, je me retire. Que signifie cet empressement d'Agis? Je ne sais ce que j'en dois croire. Depuis qu'il est avec moi, je n'ai rien vu qui l'intéresse Satan. Lui avez-vous découvert qui vous êtes? Et m'abuseriez-vous? Oh. Seigneur, vous me comblez de joie. Vous m'avez dit que vous aviez été jaloux. Il ne me restait plus que le plaisir de le voir moi-même, et vous me le donnez. Mon cœur vous remercie de l'injustice que vous me faites. Hermocrate est jaloux, il me chérit, il m'adore, il est injuste, mais il m'aime! Qu'importe à quel prix il me le témoigne! Il s'agit pourtant de me justifier. Agis n'est pas loin, je le vois encore, qu'il revienne! Rappelons-le, Seigneur! Je vais le chercher, je vais lui parler moi-même, vous verrez si je mérite vos soupçons! Non, je reconnais mon erreur! Votre franchise me rassure, ne l'appelez pas! Aspasie, je me rends! Il ne faut pas encore que l'on sache que je vous aime! Laissez-moi le temps de disposer de tout. J'y consens. Voici votre sœur.
dès que vous avez promis, il n'y a plus de réplique. Il restera tant qu'il voudra, ma sœur. Je vous rends grâce de votre complaisance, mon frère. Et en vérité, vous sûr méritez bien qu'on l'oblige. Je sens tout ce qu'il vaut. D'ailleurs, je regarde que c'est en passant un amusement pour Agis, qui vit dans une solitude dont on se rebute quelquefois à son âge. Quelquefois à tout âge. J'avais raison. Oh, il y a des moments de tristesse. Je m'y ennuie souvent moi-même, j'ai le courage de vous le dire. Qu'appelez-vous courage, ma sœur? Et qui est-ce qui ne s'y ennuierait pas? N'est-on pas né pour la société? Écoutez, on ne sait pas ce qu'on fait quand on se confine dans la retraite. Nous avons été bien vite quand nous avons pris un parti si dur. Allez, ma sœur, je n'en suis plus à faire cette réflexion-là. Après tout, le mal n'est pas sans remède. Et heureusement, on peut se raviser. Fort bien. Un homme à votre âge sera partout. Le bienvenu quand il voudra changer les temps. Et vous qui êtes aimable et plus jeune que moi, je ne suis pas en peine de vous non plus. Oui, mon frère. Peu de jeunes gens ont de peur avec vous et le don de votre cœur ne serait pas négligé. Et moi, je vous assure qu'on n'attendra pas d'avoir le vôtre pour vous donner le sien. J'ai toujours été surpris que vous n'en eussiez pas. Mais vous qui parlez, pourquoi ne m'auriez-vous pas assez? Que sait-on? Peut-être en aurais-je. Quand on irrite l'amour. Quand on irrite l'amour, on éprouve sa vengeance. À quoi sert la résistance? Tôt ou tard, il a son tour. J'en serais charmé, Hippocrate. Nous n'avons pas plus de raison que les dieux qui ont établi le mariage. Et je crois qu'un mari vaut bien un solitaire. Pensez-y! Une autre fois, nous en dirons davantage. Adieu. J'ai quelques ordres à donner et je vous suis. Ce que je vois, nous sommes tous deux en bel état, Bléoutine. Je ne sais à qui elle en veut. Peut-être est-ce à quelqu'un aussi jeune pour elle que l'est Aspasie pour moi. Que nous sommes faibles. Mais il faut remplir sa destinée. Thank you.
de sa gloire a calmé les douleurs dont la fortune nous accable. C'est un phénix, c'est un oiseau charmant, mais on le trouve rarement. C'est un phénix, c'est un oiseau charmant, mais on le trouve rarement. Galant qui pour sa tourterelle montre un attachement parfait et fera éclater dans les poux satisfaits les transports de l'amant fidèle. C'est un phénix, c'est un oiseau charmant, mais on le trouve rarement. C'est un phénix, c'est un oiseau charmant, mais on le trouve rarement. Princesse tendre sans faiblesse, vertueuse sans pureté, et qui joint à l'éclat d'une extrême beauté un cœur plein de délicatesse. C'est un phénix, c'est un oiseau charmant, mais on le trouve rarement. C'est un phénix, c'est un oiseau charmant, mais on le trouve rarement. Bon prince dont le cœur sincère s'exprime avec naïveté et qui n'ose jamais couvrir la vérité d'un farouteux et mercenaire. C'est un phénix, c'est un oiseau charmant, mais on le trouve rarement. C'est un phénix, c'est un oiseau charmant, mais on le trouve rarement. Pièce pleine de sel attique, lucrative pour les acteurs, et qui plaise au parterre en corrigeant les mœurs par une riante critique. C'est un phénix, c'est un oiseau charmant, mais on le trouve rarement. C'est un phénix, c'est un oiseau charmant, mais on le trouve rarement. C'est un phénix, c'est un oiseau charmant, mais on le trouve rarement. C'est un phénix, c'est un oiseau charmant, mais on le trouve mas fora do contexto, porque agora tinha acabado. Então, é uma história que eu vou-vos contar e que tem a ver com aquilo que se vai passar no terceiro ato. O Hermocrate e a Leontim, o Focion e a Hermidas, todos juntos. Hermidas, Hermidas juntos. Cala-te! O que é que tu estás a fazer? Olha ali, olha ali. O quê? Hermidas juntou-se ao... Cala-te! Pois tu vais por a contar a história, o que é que nós vamos fazer depois aí atrás? Foi a Leontina, foi o Focion que... Olha para aí. E quero, então o que é que tu dizes? Eu? Ou eu? Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Papai, eu quero uma chupeta. Quero uma chupeta. Quero uma chupeta. Chama-lhe o seu Vítor. Chama-lhe o seu Vítor aqui. Não, então era... Eu. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Eu quero ver. Que mamãe, mamãe. Sou eu. Sou eu. Mamãe, eu quero. E eu. Porque. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Olha, anda aqui uma coisa. Vê aqui como é que é. Oi, deixa eu te falar aqui. Ora. Viens que je te parle. Corinne, tout me répond d'un succès infaillible. Je n'ai plus qu'un léger entretien à avoir avec Agis. Il le désire autant que moi. Croirais-tu pourtant que nous n'avons pu y parvenir, ni l'un ni l'autre? Hermocrate et sa sœur m'ont obsédé tour à tour. Ils doivent tous deux
m'épouser en secret. Je ne sais combien de mesures sont prises pour ces mariages imaginaires. Non, on ne saurait croire combien l'amour égare ces têtes qu'on appelle sages. Et il m'a fallu tout écouter, parce que je n'ai pas encore terminé avec Agis. Il m'aime tendrement comme Aspasie. Pourrait-il me haïr comme Léonie? Non, madame, achevez. La princesse Léonie, d'après tout ce qu'elle a fait, doit lui paraître encore plus aimable qu'Aspasie. Je pense comme toi, mais sa famille a péri par la mienne. Votre père hérita du trône et ne l'a pas ravi. Que veux-tu, j'aime. Et je crains. Je vais pourtant agir, comme certaine du succès. Mais dis-moi, as-tu fait porter mes lettres au château? Oui, madame. Dimas, sans savoir pourquoi, m'a fourni un homme à qui je les ai remises. Et comme la distance d'ici au château est petite, vous aurez bientôt des nouvelles. Mais quel ordre donnez-vous au seigneur Ariston à qui s'adresse vos lettres? Je lui dis de suivre celui qui les lui rendra, d'arriver ici avec ses gardes et mon équipage. Ce n'est qu'en prince que je veux qu'Agis sorte de ces lieux. Et toi, Corinne, pendant que je t'attends ici, va te poster à l'entrée du jardin par où doit arriver Ariston. Et viens m'avertir dès qu'il sera venu. Va, pars, et mets le comble à tous les services que tu m'as rendus. Je me sauve. Mais vous n'êtes pas quitte de Léontine? La voilà qui vous cherche. J'ai un mot à vous dire, mon cher Faucion. Le sort en est jeté. Nos embarras vont finir. Oui, grâce au ciel. Je ne dépends que de moi. Nous allons être pour jamais unis. Je vous ai dit que c'est un spectacle que je ne voulais pas donner ici, mais les mesures que nous avons prises ne me paraissent pas décentes. Vous avez envoyé chercher un équipage et qui doit nous attendre à quelques pas de la maison, n'est-il pas vrai? Ne voudrait-il pas mieux, au lieu de nous en aller ensemble, que je partisse la première et que je me rendisse à la ville en vous y attendant? Oui, là, vous avez raison, partez, c'est fort bien dit. Je vais. Dès cet instant, me mettre en état de cela. Et dans 2 heures, je ne serai plus ici. Mais Faucion, hâtez-vous de me suivre. Commencez par me quitter, pauvre. Hâtez-vous-même. Que d'amour ne me devez-vous pas? Je sais que le vôtre est impayable, mais ne vous amusez point. Capable de m'engager à la démarche que je fais. La démarche est innocente et vous n'y courez aucun hasard. Allez vous y préparer. J'aime avoir votre empressement. Puisse-t-il durer toujours? Et puissiez-vous y répondre par le vôtre? Car votre lenteur m'impatiente. Je vous avoue que je ne sais quoi de triste. On parle quelquefois de moi. Ces réflexions-là sont-elles de saison? Je ne me sens que de la joie, moi. Oh.
secret. Ce ne sera donc jamais fait. Eh bien, Hermocrate, je vous croyais occupé à vous arranger pour votre départ. Charmante Aspasie, si vous saviez combien je suis combattue. Si vous saviez combien je suis lasse de vous combattre, qu'est-ce que cela signifie? On n'est jamais sûr de rien avec vous. Pardonnez ces agitations à un homme dont le cœur promettait plus de force. Votre cœur fait bien des façons, Hermocrate. Soyez agité tant que vous voudrez. Mais partez, puisque vous ne voulez pas faire le mariage ici. Oh. Ce soupir, là, n'expédie rien. Il me reste encore une chose à vous dire et qui m'embarrasse beaucoup. Il vous reste. Il y a toujours un reste. Vous ne finissez donc jamais rien. Vous confierai-je tout? Si je vous ai abandonné mon cœur, je vais être à vous. Ainsi, il n'y a plus rien à vous cacher. Après? J'élève Agis depuis l'âge de 8 ans. Je ne saurais le quitter de sitôt. Souffrez qu'il vive quelque temps avec nous et qu'il vienne nous retrouver. Et qui est-il donc? Nos intérêts vont devenir communs. Apprenez un grand secret. Vous avez entendu parler de Cléomène. Agis et son fils échappés de la prison dès son enfance. Votre confidence est en de bonnes mains. Jugez avec combien de soin. Il faut que je le cache. Et ce qu'il deviendrait entre les mains d'une princesse qui le fait chercher à son tour et qui, apparemment, ne respire que sa mort. Elle passe pourtant pour équitable et généreuse. Je ne m'y fierai pas. Elle est née d'un sang qui n'aime ni l'un ni l'autre. On dit qu'elle épouserait Agis si elle le connaissait. Quand il serait possible qu'elle le voulût, la juste haine qu'il a pour elle l'en empêcherait. J'aurais cru que la gloire de pardonner à ses ennemis valait bien l'honneur de les haïr toujours, surtout quand ses ennemis sont innocents du mal qu'on nous a fait. S'il n'y avait pas un trône à gagner en pardonnant, vous auriez raison. Mais le prix du pardon gâte tout. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de cela. Agis aura lieu d'être content. Il ne sera pas longtemps avec nous. Nos amis fomentent une guerre chez l'ennemi auquel il se joindra. Les choses s'avancent et peut-être le verra-t-on bientôt changer de face. Se défera-t-on de la princesse? Elle n'est que l'héritière des coupables. Ce serait là se venger d'un crime comme un autre et Agis n'en est point capable. Il suffira de la vaincre. Voilà, je pense, tout ce que vous aviez à me dire. Allez prendre vos mesures pour partir. Adieu, chère Aspasie. Je n'ai plus qu'une heure ou deux à demeurer ici. Enfin serai-je libre. Je suis persuadée qu'Agis attend le moment de pouvoir me parler. Cette haine qu'il a pour moi me fait trembler pourtant. Mais que veulent encore ces domestiques? Je vous salue, madame. Doucement donc. Oh, ne prions des reins. Je sommes seul. Comme voulez-vous. Oh, petite bagatelle. Oui. Je venons ici tant seulement pour régler nos comptes. Pour voir comment nous sommes ensemble. Hé, hey, de quoi est-il question? Faites vite, car je suis pressé. Ah ça, comme disent l'autre, vous avons-je fait de bonnes besoins? Oui, vous m'avez bien servi, tous deux. Et votre ouvrage à vous est-il avancé? Je n'ai plus qu'un mot à dire à Agis qui m'attend. Ah, pas fort bien! Oui,
surprise qu'il vous accorde. Ne nous pressons pas. Parlons d'affaires. J'avons vendu du noir que c'est une marmaille. J'avons affronté le tiers et le quart. Il n'y a point de fricot comparable à nous. Je vous fais un étouffement de conscience qui était bien difficile et qui est bien méritoire. Mais tonton, vous y étiez garçon. Bon. Ce qui n'est pas vrai. Tonton, vous étiez une fille, ce que nous ne savons pas. Des amours pour cette fille et puis pour celle-là, j'avons jeté votre cœur à tout le monde pendant qu'il était à part seul. Un diamant prêt pour attraper le visage que vous donneriez pour rien. M'achèverez-vous, où cela va-t-il? Votre manigance est bientôt finie. Combien voulez-vous payer de la filade? Que m'a-t-il dit? Achetez le reste de la vendue. Nous la vendrons en prix raisonnable. Faites marcher avec nous ou bien je romps mon trou. Ne vous ai-je pas promis de faire votre fortune? Eh bien, payez-nous votre parole en argent comptant. Oui, quand on a plus besoin des fripons, on le paye mal. Mes enfants, vous êtes des insolents. Oh, ça se peut bien. Vous me fâchez. Et voici ma réponse. C'est que si vous me nuisez, si vous n'êtes pas discret, je vous ferai expier votre indiscrétion dans un cachot. Vous ne savez pas qui je suis et je vous avertis que j'en ai le pouvoir. Si au contraire vous gardez le silence, je tiendrai toutes les promesses que je vous ai faites. Choisissez! Quant à présent, retirez-vous, je vous l'ordonne, préparez votre fond à une franche obéissance! Que feront-je, camarade? Elle me baille de la peur. Continueront-je l'insolence? Non! C'est peut-être le chemin de cachot. J'aime encore mieux rien qu'à quatre morailles. Pardon. Bien fait de les intimider. Et voici Agis. Je vous retrouve donc, Aspasie. Et je puis, un moment, vous parler en liberté. Que n'ai-je pas souffert de la contrainte où je me suis vue? Et j'ai presque haï Hermocrate et Léontine de toute l'amitié qu'il vous marque. Mais qu'est-ce qui ne vous aimerait pas? Que vous êtes aimable, Aspasie. Et qu'il m'est doux de vous aimer. Je me plais à vous l'entendre dire, Agis. Vous saurez bientôt à votre tour de quel prix votre cœur est pour le mien. Mais dites-moi, cette tendresse dont la naïveté me charme est-elle à l'épreuve de tout? Rien n'est-il capable de me la ravir? Non. Je ne la perdrai qu'en cessant de... Je ne vous ai pas tout dit, Agis. Vous ne me connaissez pas encore. Je connais vos charmes. Je connais la douceur des sentiments de votre âme. Rien ne peut m'arracher à tant d'attrait et c'en est assez pour vous adorer. Toute ma vie. Oh, Dieu! Que d'amour! Mais fusil, mes chers, je crains de le perdre! Je vous ai déguisé qui j'étais, et mon essence vous rebutera peut-être. Hélas! Vous ne savez pas qui je suis moi-même, ni tout l'effroi que m'inspire pour vous la pensée d'unir mon sort au vôtre. Cruelle princesse, que j'ai de raison de te haïr! Qui parlez-vous, Agis? Quelle princesse haïssez-vous? Celle qui règne, Aspasie, mon ennemi et la vôtre! Mais quelqu'un qui vient m'empêche de continuer. C'est Hermocrate, que je le hais de vous interrompre. Je ne vous laisse que pour un moment, Agis, et je reviens dès qu'il sera parti. Ma destinée avec vous ne dépend plus que d'un mot. Vous me haïssez sans le savoir. Moi, Aspasie! On ne me donne pas le temps de vous en dire davantage. Finissez avec Hermocrate! Je n'entends rien à ce qu'elle veut dire. Qu'il en soit, je ne saurais disposer de moi sans en avertir Hermocrate. Arrêtez, prince, il faut que je vous parle. Je ne sais pas où commencer.
le sujet de votre embarras? Ce que vous n'auriez peut-être jamais imaginé, ce que j'ai honte de vous avouer, est que toute réflexion faite, il faut pourtant vous apprendre. À quoi ce discours-là nous prépare-t-il? Que vous serait-il donc arrivé? D'être aussi faible qu'un autre. Et de quelle espèce de faiblesse s'agit-il, Seigneur? De la plus pardonnable pour tout le monde, de la plus commune, mais de la plus inattendue chez moi. Vous savez ce que je pensais de la passion qu'on appelle amour. Et il me semble que vous exagériez un peu là-dessus. Oui, cela se peut bien. Mais que voulez-vous, un solitaire qui médite, qui étudie, qui n'a de commerce qu'avec son esprit et jamais avec son cœur, un homme enveloppé de l'austérité de ses mœurs n'est guère en état de porter son jugement sur certaines choses. Il va toujours trop loin. Il n'en faut pas douter, vous tombiez dans l'excès. Vous avez raison. Je pense comme vous. Car, que ne disais-je pas? Que cette passion était folle, extravagante, indigne d'une âme raisonnable. Je l'appelais un délire et je ne savais ce que je disais. Ce n'était la consulter ni la raison ni la nature. C'était critiquer le ciel même. Oui. Car dans le fond, nous sommes faits pour aimer. Comment donc? C'est un sentiment sur qui tout roule. Un sentiment qui pourrait bien se venger un jour du mépris que vous en avez fait. Vous m'en menacez trop tard. Pourquoi donc? Je suis puni. Quoi, sérieusement? Faut-il vous dire tout? Préparez-vous à me voir changer bientôt d'état, à me suivre si vous m'aimez. Je pars aujourd'hui. Et je me marie. Est-ce là le sujet de votre embarras? Il n'est pas agréable de se dédire et je reviens de loin. Et moi, je vous en félicite. Il vous manquait de connaître ce que c'était que le cœur. J'ai reçu une leçon qui me suffit et je ne m'y tromperai plus. Si vous saviez, au reste, avec quel excès d'amour, avec quelle industrie de passion, on est venu me surprendre, vous augureriez mal d'un cœur qui ne se serait pas rendu. La sagesse n'instruit point à être ingrat, et je l'aurais été. On me voit plusieurs fois dans la forêt, on prend du penchant pour moi. On essaie de le perdre, on ne saurait. On se résout à me parler, mais ma réputation intimide. Pour ne pas risquer un mauvais accueil, on se déguise, on change d'habit, on devient le plus beau de tous les hommes. On arrive ici, on est reconnu. Je veux qu'on se retire. Je crois même que c'est à vous à qui on en veut. On me jure que non. Pour me convaincre, on va aller, je dis. Je vous aime, en doutez-vous, ma main, ma fortune, tout est à vous avec mon cœur. Donnez-moi le vôtre, ou guérissez le mien, cédez à mes sentiments, ou apprenez-moi à les vaincre, rendez-moi mon indifférence, ou partagez mon amour. Et l'on me dit tout cela avec des charmes, avec des yeux, avec des tons qui auraient triomphé du plus féroce de tous les hommes. Mais, Seigneur, cette tendre amante qui se déguise, l'ai-je vue ici? Y est-elle venue? Elle y est encore. Je ne vois que Faucion.
C'est elle-même. Mais ne dites au mot. Voici ma sœur qui vient. La perfide. Qu'a-t-elle prétendu en me trompant? Viens vous avertir d'une petite absence que je vais faire à la ville, mon frère. Et chez qui allez-vous donc, Léontine? Chez Rosine, dont j'ai reçu des nouvelles et qui me presse d'aller la voir. Nous serons donc tous deux absents, car je pars aussi dans une heure. Je le disais même à Agis. Et chez qui allez-vous à votre tour? Rendre visite à Criton. Quoi? À la ville? Comme moi. Il est assez particulier que nous y ayons tous deux affaires. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit tantôt? Votre voyage ne cache-t-il pas quelques mystères? Voilà une question qui me ferait douter des motifs du vôtre. Vous vous souvenez aussi des discours que vous m'avez tenus? Démocrate, parlons à cœur ouvert. Je ne vais plus, chef Rosine. Et que vous me parlez sur ce ton, je ne vais pas moins franchir ce que vous, je ne vais pas chez Criton. C'est ton cœur qui me conduit où je vais. C'est le mien qui me met en voyage. Sur ce pied-là, je me marie. Eh bien, je vous en offre autant. Je ne partirai pas non plus. Nos mariages se feront ensemble. Car celle à qui je me donne est ici aussi. Je ne sais pas où elle est. Pour moi, c'est Faucion que j'épouse. Faucion. Guido, celui qui est venu nous trouver ici, celui pour lequel vous me parliez tantôt. Je n'en connais pas d'autre. Mais attendez, non, je l'épouse aussi, moi, et nous ne pourrons pas l'épouser tous deux. Vous l'épousez, dites-vous? Vous lui rêvez pas? Rien n'est plus vrai. Mais quoi, qu'est-ce que cela signifie? Faucion, qui m'aime? Vous êtes en raison finie, qui a fait faire ma portrait sans que je le sache? Votre portrait, ce n'est pas le vôtre, c'est le mien qui l'a fait faire à mon insu. Ma sœur, en voilà le double. Vôtre est en homme et le mien est en femme. C'en est toute la différence. Où suis-je? J'en ai fait. Je n'y saurais dire. Ou de moi? Je vous entends tous les découverts.
Je ne sais de quel nom vous appelez. Adieu, pour jamais. Ah, je me meurs. Arrêtez, Chirolles, écoutez-moi. Laissez-moi. Non, vous allez être de plus agréable que les hommes si vous écoutez pas. Moi, je vous avais trompé. C'est pour vous que j'ai trompé tout le monde. Je n'ai pu faire autrement. Tous mes artifices sont autant de témoignages de ma tendresse. Je vous insulte dans votre erreur au cœur le plus tendre qui fut jamais. Je ne suis pas en peine de vous calmer. Tout l'amour que vous me devez, tout celui que j'ai pour vous, vous ne le savez pas, vous m'aimerez. Vous m'estimerez, vous me demanderez pardon. Je n'y comprends rien. J'ai tout employé pour abuser des cœurs dont la tendresse était l'unique voie qui me restait pour obtenir vous. Vous étiez l'unique objet de tout ce qu'on m'avait fait. Hélas, puis-je vous en croire, Aspasie? Dimas et Arlequin qui m'ont servi, qui savent mon secret, vous confirmeront ce que je vous dis là. Interrogez-les. Mon amour, ne dédaignez pas d'avoir recours à leur témoignage. Ce que vous me dites là est-il possible, Aspasie? Ce n'est pas là tout. Cette princesse, que vous appelez votre ennemie, est la mienne. Hélas, s'il est vrai que vous m'aimiez, peut-être un jour vous fera-t-elle pleurer ma mort. Elle n'épargnera pas le fils de Cléomène. Je suis en état de vous rendre l'arbitre de son sort. Je ne lui demande que de nous laisser disposer d'une autre. Disposer vous-même de sa vie? C'est son cœur ici qui vous le livre. Son cœur. Je ne puis plus vous exprimer le mien. Que vois-je agir à ces genoux? De qui est ce portrait-là? C'est de moi. Celui-ci, courbe que vous êtes? De moi. Voulez-vous que je les reprenne et que je vous rende les vôtres? Il ne s'agit plus de plaisanterie. Qui êtes-vous? Quels sont vos desseins? Je vais vous les dire. Mais laissez-moi parler à Corinne, qui vient d'un autre. Dites-moi, je vous avertis qu'il y a tout plein d'albardiers en bas dans notre jardin, et puis des soudards, et puis des carrières. Madame, Ariston est arrivé. Allons, prince. Venez recevoir les hommages de vos sujets. Il est temps de partir. Vos gardes vous attendent. Et vous, Hermocrate, et vous, Léandine, qui d'abord refusiez de me garder, vous sentez les motifs de mes feintes. Je voulais rendre le trône à Agis. Et je voulais être à lui. Sous mon nom, j'aurais peut-être révolté son cœur. Et je me suis déguisée pour le surprendre. Ce qui n'aurait encore abouti à rien si je ne vous avais pas abusé vous-même. Au reste, vous n'êtes point à plaindre. Hermocrate, je laisse votre cœur entre les mains de votre raison. Pour vous, Léontine, mon sexe doit d'abord dissiper tous les sentiments que vous avez inspirés, mon artifice.